La co-régulation du secteur des médias, au cœur des échanges entre les responsables du Conseil supérieur de la communication du Niger et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, HAC. Cette visite est une occasion d'échanger sur la pratique que nous avons chacun de son côté en matière de régulation. Cette mission rentre dans le cadre de la mise en place d'un système de co-régulation que le CSC du Niger entend expérimenter. D'abord du fait que les décisions prises par le Conseil supérieur de la communication sont souvent perçues comme des mesures répressives à l'endroit de la presse, alors que notre principale mission, nous, est de renforcer l'indépendance et la liberté donc des médias. Et de l'autre côté, les décisions qui sont prises par les organes d'autorégulation sont manque d'autorité. Et nous avions dit qu'on peut conjuguer les efforts pour mettre en place donc un organe de co-régulation. Et c'est à ce titre-là que justement donc le Conseil supérieur de la communication a décidé d'envoyer donc cette mission d'échange d'expérience. Parce que la HAC du Bénin a une expérience en la matière et qui s'est avérée assez probante et qui peut être donc une source d'inspiration pour le Conseil supérieur de la communication afin de mettre en place cet instrument qui, nous pensons, pourrait améliorer l'environnement donc de la liberté et de l'indépendance donc des médias au Niger. Prévue pour durer 4 jours, cette rencontre permettra à la délégation nigérienne d'instituer le modèle de co-régulation du Bénin.